Définir ce match entre le Sassuolo et la Juve est important, commence à être un petit peu lourd et vous allez me dire, mais Elvin, t'es chiant à dire à chaque fois que ce match est important. Je suis d'accord avec vous. Tant la Juve est médiocre cette saison et tant la Juve ne trouve aucune continuité de prestation. Bref, je ne vais même pas dire que ce match est important. Les joueurs, j'espère qu'ils le savent, cette Juve doit absolument revenir du Mapei Stadium avec les 3 points, il n'y a pas d'autre choix. Puisqu'au cas de match nul ou défaite, la sanction sera quasiment officielle. Pas de Champions League cette saison pour la Juve. En tout cas, l'objectif désormais est que cette saison catastrophique ne se transforme pas en saison cataclysmique, comme j'aime le dire en tout cas. Pirlo a parlé dans sa classique conférence de presse ce midi pour parler de Sassuolo Juve, mais aussi de son futur. D'ailleurs, je peux vous confirmer à 100%, ça a été confirmé par par de nombreuses sources, dont Romain Gresti, pardon, Pirlo a failli sauter après le match face à Juve Milan. C'est une idée qui a été pondérée par la Società Bianconera. Finalement, vous le savez, il y a eu une petite rencontre le matin, lundi matin. Il y avait de nombreux journalistes devant la cantina. Et finalement, ils ont décidé d'aller de l'avant avec Andrea Pirlo. Mais le coach italien a réellement failli ne plus être l'entraîneur de la Juve. Très sincèrement, je vais vous donner mon avis. Je pense que ça ne sert strictement à rien de se séparer d'Andrea Pirlo maintenant. Non pas parce que je considère que Pirlo est l'homme de la situation, non pas parce que je considère que Pirlo doit rester, tout simplement parce que vous, quand vous ne le faites pas, et si vous ne le faites pas après la débâcle face à Benevento qui a officiellement marqué, on va dire, la saison catastrophique de la Juve, vous ne le ferez pas après le match nul face à Fiorentina en Franchi, vous ne le ferez pas après l'humiliation au Stadium face à Milan, bref, aucun intérêt, et d'ailleurs les rumeurs qui ont porté tout d'or sur le banc de la Juve n'ont jamais trouvé de confirmation, et comme j'aime le dire, inutile que cela se fasse, puisque si vous appelez tout d'or au Pirlo, de toute façon c'est le même effectif, il reste 3 matchs, l'ambiance au sein de l'effectif est le même, et comme j'aime le répéter, en tout cas si vous le faites pas avant, vous ne le faites surtout pas maintenant. Pirlo donc s'est exprimé sur ce match-là. Il a d'abord parlé, regardez, de son futur. Il a dit mot pour mot, je n'ai pas peur, je pense qu'au bien de la Juve, puis les résultats diront si je serai encore ici l'année prochaine. Moi, je ne pense qu'à la Juve. Voilà, c'est les mots d'Andrea Pirlo sur son futur. Il a parlé bien évidemment de ce match. On doit faire un grand match. On a encore 3 matchs avec 1 point de retard sur la Champions League. On ne doit pas baisser les bras. On doit avoir une grande positivité, Pirlo a marqué cette conférence de presse par plusieurs fois. On ne doit pas baisser les bras, on est énervé et on veut aller au Mapei Stadium pour y croire. Ronaldo, on n'a pas encore parlé de sa présence demain, on verra comment il sera. Le match de demain sera délicat, j'espère les avoir tous à disposition. Il y avait une grande déception après Milan, mais on a envie. Mais il nous reste encore 3 matchs, notre objectif ne change pas, on a le devoir d'y croire jusqu'au bout. Danilo a récupéré, Danilo donc pourrait être titulaire ainsi qu'Arthur, c'est lui-même qui l'a confirmé. C'est les deux informations principales, les informations données par Pirlo sur la composition probable. À voir donc comment sera Ronaldo. En tout cas, on a vu que Ronaldo était certes moins bien sur cette période, peut-être aussi une surcharge de match qui sera aujourd'hui évaluée à l'entraînement. Donc la Juve est appelée à faire ce qu'elle n'a pas fait cette saison. Tenter un exploit cette saison lors des 3 prochains matchs en gagnant 3 matchs de suite. Honnêtement, comme j'ai dit dans la vidéo hier, j'y crois peu parce que cette Juve va trouver peu de continuité. Et comme vous le savez, ça ne dépend pas non plus que de Bianconeri. Mais Pirlo le sait, il a chaud aux fesses. Et en tout cas, pour terminer cette saison catastrophique, du mieux, il faudrait au moins terminer les 3 matchs avec 3 victoires, évidemment. La finale de la Copa qui va arriver, Pirlo le sait. J'espère que les joueurs aussi le seront avec un peu plus d'envie, un peu plus de hargne. Lui-même a dit et a parlé un petit peu de ce mot Grinta, parce que c'est vrai qu'on a pu voir de nombreuses fois dans les conférences de presse, il a dit la Grinta est toujours un mot qui sort mais qui n'est pas favorable à mon goût, il faut une approche différente. J'entends ce mot depuis des années et des années, mais ça ne veut pas souvent dire grand-chose. Je me suis adapté à cause des blessures du Covid. Il y a toujours eu un motif sur le fait que je n'ai jamais mis la même composition de départ. Je me suis adapté aux circonstances. Il a répondu aussi à ce qu'il avait dit au micro de Sky la dernière fois. Il ne s'attendait pas à avoir de tels joueurs à disposition. Il s'attendait à avoir d'autres choses. Mais en tout cas, Pirlo n'a pas le choix. Il devra faire avec ce qu'il aura. Mon avis, le groupe au complet aussi pour ce match. Donc pas d'excuses. Aller chercher au Mapei Stadium. Donc face à Sassuolo, qui a un objectif encore. Participer, pourquoi pas, à la Conference League. Et pourquoi pas aller chercher, si un exploit
le présage peut-être un peu plus, mais ça va être difficile d'aller chercher la sixième place d'ailleurs. Mais Sassuolo donc est une équipe joueuse et je m'attends à un match ouvert, mais les Bianconeri devront, en tout cas, peu importe, je vais vous dire très honnêtement, la manière, peu importe la façon de jouer, peu importe le système de jeu, bref, c'est pas à trois matchs de la fin que je vais m'attendre à grande chose, que je vais m'attendre à avoir un milieu à trois, que je vais m'attendre à avoir un système différent du 4-4-2, bref, c'est pas maintenant que je m'attends à ça, moi je m'attends à surtout une victoire pour continuer à espérer, pourquoi pas la Champions League. Et aussi voir les résultats et attendre les résultats des autres équipes. Comme vous le savez, ça ne dépend plus que de la Juve. L'autre principale information de ce mardi 11 mai, c'est Buffon qui a annoncé au micro de beIN Sports qui met un terme à son aventure et sa belle aventure avec la Juve. Il a dit mot pour mot: mon avenir est clair, cette année se terminera d'une manière définitive cette belle et longue expérience avec la Juve. Il a dit que, il mettra fin à sa carrière s'il ne trouve pas un nouveau défi stimulant, voilà, comme on s'y attendait. C'est arrivé plus tôt que prévu, puisqu'on attendait aussi une rencontre entre Agnelli et Buffon à la fin de la saison. Mais en tout cas, Buffon a anticipé tout le monde. Buffon annonce donc qu'il mettra un terme à son aventure avec la Juve, lui qui a été très très bon cette saison. Je l'ai trouvé performant dans la plupart des matchs qu'il a fait. On se souvient aussi d'un match marquant cette saison, celui au Camp Nou où il a écœuré le Barça. Et Léo Messi a aussi son match face au Napoli qui a grandement permis à la Juve de prendre 3 points importants dans la course à la Champions League. Certains diront aussi qu'il a été plus précieux que Wojciech Szczęsny. En tout cas, Buffon ne sera pas le gardien de la Juve la saison prochaine. Et donc, la Juve devra absolument trouver un deuxième gardien. Il y aura peut-être les options Audero, Perin, on aura le temps d'en parler. À voir aussi ce que fera Szczęsny, le futur Donnarumma, etc. Mais en tout cas, la vraie breaking news du jour, c'est que Buffon, lui, a annoncé au micro de beIN Sports qu'il mettra un terme à son aventure à la Juve après son arrivée en 2001. Certains aussi diront que sa vraie aventure avec la Juve a pris fin en 2018. Bref, en tout cas, grazie per tutto Gigi. Merci pour tout Gigi qui a été assurément l'une des plus grandes légendes de l'histoire de la Juve. Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires, en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du choix de Buffon. Selon vous, Buffon aurait-il dû rester à la Juve? Et aussi, faites-moi savoir votre pronostic demain pour ce Sassuolo Juve qui s'annonce extrêmement important. Finale à finale, forza Juve!